My name is Nina Lavwe. I'm from Togo, and I'm the winner of the Visco Fashion Fund. Gagner la Visco Fashion Fund m'a permis d'avoir plus confiance en moi déjà. Donc pour moi, c'est un rêve qui se concrétise. Fallait faire face à toutes ces têtes qui étaient bien posées comme moi. J'ai été élue et c'était vraiment exceptionnel pour moi. I cried because I wasn't expecting it. It was just crazy. I was very happy. I wanted to be in the global market, and being here, it's a step in achieving my dream to be globally accepted. Ma vision pour ma marque, en fait, c'est de faire de la haute couture, mais d'abord commencer par le prêt-à-porter, faire circuler ma marque dans mon pays, dans la sous-région et tout. Mon inspiration pour ce voyage a été la découverte du pays d'abord et la rencontre avec tant de gagnants de différents pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. On s'est vraiment retrouvés, le Nigeria et le Ghana. We are a group of people coming from different countries and we're learning from each other. The Visco Fashion Fund is a big opportunity for us to learn more and to showcase our talent. Things I've learned in the school, how to look at the motifs in the fabric, how they all are different, so how you have to look at it to create the design. Déjà, tout m'a marqué, tout m'a inspiré. La ville d'ici, le styliste qu'on a rencontré le premier jour, la formation avec Boubou, et surtout la formation en couture qui se passe ici. Ce que j'ai le plus aimé ici en Hollande, c'est les matières. On a montré comment ne plus être focalisé sur une seule matière, la diversité de matières, comment agencer, comment mixer avec Visco. Donc c'est une nouvelle expérience pour moi et j'ai beaucoup aimé. Lorsque j'ai gagné, c'était plus... je savais que j'allais m'ouvrir à un autre monde. Et je sais que je ne rentrerai pas comme je suis venue, je rentre avec un bagage que je m'attendais vraiment.